Bonjour, je suis Valentine. Bienvenue à Namasté Yoga. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous présenter la posture de Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Venez vous mettre à quatre pattes, sur les deux mains et les deux genoux. Alignez bien le dos et sur une expiration, fléchissez les orteils pour passer dans la posture du chien tête en bas. Votre tête est relâchée entre les bras et n'hésitez pas à bien plier les genoux si vous en ressentez le besoin. Au fur et à mesure, vous pourrez tendre doucement, millimètre par millimètre, les genoux en venant plaquer les talons sur le sol. Mais faites attention si vous faites ça, de ne pas arrondir votre dos. Gardez bien le dos plat et les jambes tendues. Si ce n'est pas possible de garder le dos plat en ayant les jambes tendues, pliez les genoux. Respirez ici entre 5 et 10 respirations et pensez bien à allonger le bas du dos en pointant les ischions vers le ciel. Cette posture est très dynamisante. Elle va permettre de faire circuler l'énergie dans votre corps, mais aussi de le muscler en profondeur et de l'assouplir. Je vous remercie d'avoir participé à cette petite séance de yoga et je vous invite à revenir pour la suivante. Namasté.